Bonjour et bienvenue à tous dans ma salle de bain. Je suis fatiguée, ça se voit, non? Mais c'est normal, c'est 1 h du matin. Donc, c'est pour vous montrer une petite boîte de la marque Respire. Donc, vous pourrez l'avoir sur internet à 35 euros. Et donc, c'est des produits solides. On va dire, c'est du shampoing solide. Donc pour se laver, je ne vais pas dire gel douche parce qu'elles sont pastilles, donc c'est un savon pour le corps solide et pour le visage, un savon. Donc à l'intérieur, c'est très sympathique parce que ça s'ouvre comme un petit tiroir, donc vous pourrez le garder et le réutiliser. Et à l'intérieur, on va trouver une petite trousse très sympathique avec, donc comment je dis, pour le corps, pour le visage et pour les cheveux qu'on va découvrir ultérieurement. Je vous montre d'abord l'étui. Donc c'est un étui justement pour le voyage. Donc vous l'ouvrez et à l'intérieur ça sorbe parce qu'évidemment ça va être mouillé. C'est pas pareil que les produits gel douche, il a le bouchon et ça se ferme et voilà, vous mettez dans la valise. Mais là, il va être mouillé que vous l'utilisez, donc il va falloir le mettre ici. Donc comme ça, il va absorber. Et vous fermez. Et voilà, moi ce que je fais, je le laisse ici, à chaque fois ouvert comme ça. Et quand j'utilise mon petit savonnette, je la dépose là. Comme ça, je peux la réutiliser. Parce que moi, les savonnettes, je veux dire, comment dire, les choses comme ça, pour mettre les savons, ça ne me plaît pas. Les porte-savonnettes, voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc là, je vais poser là pour vous présenter les produits que je vais vous expliquer parce que ça fait déjà depuis décembre que j'ai eu comme cadeau, donc j'utilise. Et donc, je sais bien de quoi je peux parler maintenant. Donc, c'est une entreprise donc française qui utilise des produits naturels pour faire les produits, quoi. Et donc, c'est vegan, évidemment. Et pour toutes ces personnes qui n'aiment pas les emballages plastiques, donc c'est fait pour ça. C'est écologique. Donc, on va passer au gel douche. Bon, la savonnette. Donc, on voit que j'ai bien utilisé. Je l'ai mis là pour que vous voyez qu'à l'intérieur, il y a un très joliment avec des papiers. Donc, il a réduit des tailles, déjà, évidemment, je me lave. Et donc, c'est marqué savon sous gras. Donc, très doux pour la peau. Et donc, c'est au parfum de la poire. Donc, de la marque Respire, comme je viens de dire. Donc, il est en carré. Donc, chaque produit, il a une forme différente pour, évidemment, savoir qu'est-ce que c'est. Parce que c'est pas marqué shampoing, ni gel douche, ni savon pour le visage. Donc, le carré pour le corps. Donc, on va parler de la forme. Bon, la forme, ça me plaît. Ça prend, ça ne me glisse pas dans les mains. Bon, après, quand je les pose dans un étagère ou quoi que ce soit, évidemment, à l'un des mains, j'ai du mal à la décoller. Par rapport à la mousse. Donc, je l'ai mouillée là, et vous voyez. C'est crémeux. Vous voyez, ça fait de la mousse, ça fait son job. Mais le parfum, il est inexistant à mon goût. Ok? Sinon, ça laisse la peau très douce, on va dire. Moi, il n'y a personne qui m'a dit quoi que ce soit. Donc, la propreté, il est là. C'est un artiflu, on va dire, c'est un artifice. Il n'y a pas d'odeur, donc on est propre naturellement. Et ça donne la glycérine et tout ça, ça donne qu'on a la peau douce, hydratée. Ça oui, on a la peau hydratée et douce. On va passer au deuxième. Donc le shampoing, parce que moi je me douche le corps et après les cheveux. Donc, c'est à la huile des. Tiens, je vais dire les ingrédients de celui-là, pour le corps, puisque c'est marqué derrière. Donc, il y a 3 huiles végétales.
Donc, il y a l'huile d'amande douce et l'huile de camélia pour une peau douce. L'amande, c'est pour nourrir. Et après, il y a l'huile de lin. Et c'est marqué pour une peau hydratée. Et après, comme parfum, bah, comme je disais, c'est le parfum à la poire, mais que vraiment, j'ai pas senti beaucoup. Et c'est pas grave. Que j'aime bien les parfums, mais bon, c'est pas trop grave. Après, on va passer au shampoing. Donc, le shampoing, donc c'est pareil dans une petite boîte en carton que vous sortirez. Donc, c'est marqué shampoing solide pour tout type de cheveux. Et voilà. Les ingrédients derrière, donc c'est huile d'amande douce, huile de caméline et huile d'avoine. Donc l'huile d'avoine, c'est marqué pour la vitalité. Bon, l'amande douce pour nourrir, pareil que pour la peau. Et après, le parfum du shampoing, c'est au parfum de lait d'amande. Après, le caméline, en fait, c'est protéine, je ne vois pas clair, il faut m'excuser. Donc, on ouvre, et donc pour le shampoing, c'est en forme ronde pour pouvoir visualiser. Comme ça, vous savez qu'à côté, le carré, c'est pour le corps, le rond pour les cheveux. Donc, pour que vous voyez les cheveux de la journée, je me suis lavée, donc c'était quelle heure? Bon, 14h. Donc aujourd'hui à 14h, là c'est 1h du matin. Donc c'est presque ouais, 9h à 10h. Ouais, je sais pas. 12h, on va dire. Je ne sais même pas compter déjà cette heure-ci. Donc qu'est-ce que je vais dire à ça? C'est un drôle d'odeur. Déjà l'amande douce, oui, c'est un drôle d'odeur. J'aime pas trop, mais il reste pas vraiment dans les cheveux, donc c'est pas dérangeant non plus. Donc comme il n'y a pas de colorant, donc vous verrez que toutes les pastilles, ils sont de la même couleur aussi, parce que les bases, c'est les mêmes ingrédients. On a trouvé l'amande douce, on a trouvé l'amande douce, donc voilà. Donc pour faire mousser, c'est pareil, on va mouiller. Au départ j'avais fait comme ça, j'avais frotté, mais ça fait mal à la tête. Donc là, que je fais, bah je fais, je modifie, voilà, et je fais pareil, je fais mousser. Et donc pour vous dire que oui, ça mousse bien aussi, vous voyez, mais aucune odeur. Donc après je mets, hop là, dans la petite housse à côté, vous voyez. Donc après je fais ça, et je fais ça deux fois comme un shampoing normal. Après, une fois qu'il est dans les cheveux, il ça mousse pas trop. Dans les mains, oui, mais après, dans les cheveux, ça mouche pas. Ça mouche. Ça mousse pas trop. J'essayais de les deux manières, de me frotter dans la tête, elle savon, et avec les mains, c'est pareil. Donc, voilà. Dis donc. Ça parfume pas. Mais ça adoucit. Donc, on va passer après donc, au visage. Donc, le visage, je vais faire la démo sur mon visage. Donc là, je vais faire, qu'est-ce que je vais prendre? Je sors un petit peu de cadre. Attendez. Ah! 1, 2, 3. Je prends mon petit bandeau acheté sur AliExpress. Donc voilà, je retire. Sinon, ça va, les cheveux, ils sont restés propres. Après, je ne me lisse pas avec un sèche-cheveux. Je vais sécher les livres. Après, qu'est-ce que je fais? Pas, je fais seulement que ça. J'ai mis la pastille savon et c'est tout. Voilà, je fais rien d'autre parce que mes cheveux, bah, sont très fins, pas beaucoup quantité, donc il faut pas trop les embêter. Donc avant de me retirer les lunettes, parce que je vois rien en fait, je vais lire déjà la savonnette. Excusez-moi. Donc je fais ça, voilà. Attends, il est où le scotch? Parce que si je mets le scotch à l'envers, évidemment, il va pas coller. Voilà, comme ça. Gling, gling, gling. Donc, je les mets comme ça. Et je vais lire. Donc, toujours dans ma petite boîte. Donc, on va mettre les trucs à l'intérieur. C'est adorable, la boîte. Je les réutilise. J'aime bien. Donc,
on sort l'autre, le savon pour le visage, et donc on trouve la même couleur, donc pas de colorant, comme je disais, et on forme comme un gâteau, c'est pas quelle forme c'est, ovale. Donc là, les ingrédients, donc c'est un nettoyant du visage naturel, naturel, c'est comme ça, hein? Peau sensible, donc peau sensible, bah, ça va pour tout le monde. Alors, parce que tout le monde a une sensibilité, n'est-ce pas? Donc, c'est huile de lin pour une peau saine, huile de tournesol pour une peau hydratée au quotidien, beurre de karité pour une peau douce et protéinée, et parfum naturel, bah, tellement naturel qu'on ne sent rien. En fait, ça sent tous pareil. Tous les trois, ça sent pareil. Je ne veux pas être... bon, c'est qu'on est habitué à les parfums, donc je ne voulais pas dire, je ne voulais pas être pas gentille, parce que c'est des produits, les personnes, ils sont travaillés pour les faire, donc quand même, ils méritent... son existence, on va dire. Donc je passe à, je vais arranger ça un petit peu parce que pas envie de me les mouiller, parce que je l'ai là seulement quand deux fois par semaine, des fois ça m'arrive une fois, parce que sinon après j'ai plus cheveux, donc voilà, je veux pas les mouiller. Donc là on fait pareil, donc je me retire mes lunettes parce que sinon je vais pas voir, et je savonne. Par contre, ça, j'ai trouvé que c'est le qui moussait le moins. C'est un petit peu rugueux, pas comme les autres, ils sont doux. Et pareil, une odeur inexistante. Et vous voyez, il n'y a pas beaucoup de mousse, donc ça ne mousse pas vraiment, même faisant ça. Et donc après, bah, je passe. Et quand on passe, on sent comme si c'était une crème de lait. En fait, là ma peau en ce moment là il me fait de l'acné à cause des produits des ongles, parce que quand on lume les ongles ça fait beaucoup de poussière, et d'avoir ma peau dans un environnement de poussière pendant toute une journée, bah ça ne plaît pas, et ça m'est fait vachement de l'acné. J'ai le cou vraiment en ébullition. Mais bon, pas grave, hein. Je suis habituée depuis l'âge de 16 ans, donc ça va, ça vient, s'en fout. Bon, là, donc je fais ça. Je sens que ma peau, il est vraiment hydraté quand je fais. Ça, oui, je l'ai senti. Propre et net. Donc là, je me rince. Excusez-moi, je vais passer la tête. Je me rince d'abord mes mains, parce qu'elle n'aime pas faire les... Donc voilà, je me rince. Ça rince bien. Je veux dire que ça rince bien, je pense qu'il part pareil qu'un gel, part assez bien. De toute façon, quand tout c'est à base d'huile, donc je pense que même s'il reste des un peu, c'est pas très important. Parce qu'il va hydrater la peau, non? Donc le plus important, je pense que ça va être desséché. Et voilà, je vous ai en parlé de tous ces produits-là. Donc maintenant, c'est vraiment à la mode. Toutes ces personnes qui sont inquiètes de la nature, donc ils cherchent beaucoup de produits sans récipient. Au sans contenant, c'est ça que je voulais dire. Bon, maintenant je vais m'entonner, excusez-moi, mais je continue à faire ma séance de la journée, modèle de soir, je veux dire. Donc, et voilà. Donc, comme on est là, bah, si vous voulez savoir, contenir que j'ai mis sous l'âle de Pierre Lego, c'est une lotion à base de riz. Donc, ça blanchit la peau. Ça claircit, je voulais dire. Et donc,
Bah, moi, j'ai testé ces produits parce que bon, c'est un cadeau. Sinon, non, je suis pas habituée à acheter des produits, on va dire, entre guillemets, écolo. Parce qu'en fait, tout le que c'est pastilles, c'est vrai, c'est un petit peu embêtant de les mettre dans la valise. Hein. Mais bon, là, ils sont trouvés une petite astuce, c'est la petite pochette. Mais il y a un petit bémol, je sais pas comment ça se dit, c'est que bah vous voyez là il y en a trois mais ça rentre pas les trois sinon ça touche, donc moi je ne mets que deux côte à côte pour pas qu'ils se collent et voilà, sinon ça va, je vais les utiliser comme tout. Bah, je suis très contente de toutes ces personnes qui me suivent et je dis bon courage aussi hein, parce que bah là, je vais mettre mon sérum que j'ai eu dans la boîte à Look Fantastic, donc de la marque Avon. Bah, je fais ça parce que je vois, je fais le focus parce que je vois pas. Donc, je mets comme ça et après, je fais comme ça pour stimuler justement ma peau. Les stimulations, je mets aussi dans les lèvres parce que ça commence à faire les côtes-barres. Là, oh là là, les boutons aussi, la nez. Mais comme je dis, j'ai moins souffert quand j'étais jeune, quand j'avais 16 ans, mais là, je n'ai combien. Bon, on compte plus maintenant, et donc je me fais pas de soucis. Donc, après que j'ai mis mon sérum, bah, je mets la crème. Pour l'été, donc de la marque Algotherm. Voilà, je fais comme ça. J'ai pas mis le contour des yeux, j'aurais dû le mettre, mais bon, vous savez qu'il faut mettre le contour des yeux avant tout ce tralala parce qu'on a les doigts sales après. Donc après, je fais bien. En fait, je suis généreuse la nuit. Plus que le jour, parce que la nuit, comme on renouvelle notre peau, donc ça va, mais il va la nourrir quoi. Voilà, donc je fais comme ça l'utilisation pour bien la pénétrer quoi. Et je masse comme ça, je tire mes pommettes. Tire mes pommettes bien vers le haut. Donc ici, zygomatique, masseter. Zygomatique, masseter. Zygomatique, masseter. Frontal, je tire comme ça. Parce que le muscle, donc, il fait comme ça. Donc, il faut suivre tout le temps le muscle. Comme celui-là, la houppette, il fait ça, le muscle. Donc, on fera ça si on fait des foulages. Et si le muscle... des coins du nez et c'est un petit muscle comme ça, on fait rien comme ça. On monte, je fais des petites pressions là, 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 là et je lisse. Des fois, je fais des cercles comme ça pour reposer en forme des 8. Et c'est bon, en fait, c'est jusqu'au que tout se pénètre facilement. Vous voyez? Tout s'est pénétré déjà et c'est sec. Donc ma peau, il a tout mangé quoi. Si vous voyez que je suis rouge, ben, ça veut dire que ça marche bien, tous les produits. Que je fais une hyperémie. Comment ça s'appelle? C'est une hyperémie. Donc tous mes produits, ils sont bien absorbés. J'espère que j'ai bien parlé. Parce que des fois. Je ne comprends pas. Quand je fais ça, c'est que je draine et je élimine mes toxines. Là, je mes griffes. Là, ça m'a cassé mon ongle. Demain, je retire tous. Là, je draine. Je dégage toutes ces toxines. Et des fois, je fais comme ça. Pour stimuler
le flux sanguin, et c'est qu'avec l'âge, bah, les vaisseaux sanguins s'affinent et le sang ne passe pas pour bien nourrir notre cellule, nos cellules. Donc là, je le laisse. Je foule ici pour décontracter le muscle et pas qu'il reste les petites rides de regarder les écrans télé et ordinateur. Comme ça, je stimule, c'est stimule. Faut réveiller en fait la peau parce que si on dort trop, bah, et après on apaise. Là, ça fait du bien quand tu le fais, moi. Bah, comme je suis concentrée là, ça fait pas bien. Bon, ça y est, ça glisse plus, j'ai plus de crème. Voilà, après ça, je me suis lavé les dents évidemment déjà avant. Je fais tout ça après. Donc, après, je retire tout ça. Et après, bah, je me couche comme ça. Il y a toute, on va dire, toute propre. Du visage, tout est stimulé et je pars aussi avec mes lunettes. Ça se voit non, quand même un petit peu. Oh là là, ma peau. Bon, en réalité, je les vois pire dans le miroir, oui, ici dans le téléphone qu'en réalité. Après, bon, on va le faire maintenant. Normalement, c'est avant. Bah, on va mettre la crème que j'utilise maintenant pour l'instant. C'est une crème qui était aussi de la Look Fantastic. Donc, c'est marqué de la marque Verso. Et donc, c'est numéro 5 et c'est crème pour les yeux. C'est une crème très nutritive, c'est marqué là. Donc, c'est parfait. Parce que moi, j'ai commencé à avoir des pattes d'œil, d'oie, non, ça s'appelle. Et en fait, bien creusé. Là, c'est. J'ai pas. Là, avec les lunettes, on dirait des poches énormes. Mais en fait, c'est le reflet de mon verre parce qu'il est trop, trop épais. Mais quand même, c'est enflé aussi, beaucoup aussi par rapport qu'il y a beaucoup d'écrans. Maintenant, on regarde beaucoup. Moi aussi, beaucoup sur YouTube. J'adore regarder toutes les vidéos des filles. Et après, bah, je l'utilise pour regarder les recettes. Je fais des recettes aussi. Donc... en fait, mes yeux, ils partent pas de l'écran d'ordi. Bon, d'ordi, non. De téléphone, je vais pas à l'ordi. Maintenant, c'est tout le temps le téléphone mobile. Même quand je vais voir sur Amazon, les achats et tout ça, c'est tout le temps comme ça. Donc, voilà. C'est bien. Donc, je vais nourrir ici. Et en fait, pour capillarité, le produit, il va dispatcher partout ces endroits qu'il a besoin. Moi ici, je voudrais bien les nourrir bien. Pardon pour la langue, j'ai tiré comme ça et comme ça. Et voilà, et je fais, c'est juste, je fais ça. Bon après, évidemment, je fais le corps, mais de la crème dans le corps. Mais ça, je vais pas le montrer quand même. Tout le monde le sait, c'est faire. Bon, de toute façon, tout le monde sait faire tout, mais tout le monde, il montre tout à faire, non? Mais on est bien au courant que tout le monde sait faire tout, hein? Mais on aime bien des chatter et parler comme ça, comme des copines ou des amis, des copains. Et voilà. Après, je veux dire que moi, le savon, donc en l'occurrence, le shampoing, comment ça s'appelle déjà? Le shampoing solide, il me laisse pas les cheveux doux. En fait, c'est un petit peu comme la paille, ça crépille. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Vous entendez? Ça crépille. Donc c'est. Donc voilà, je le fais parce que, comme je dis, c'est un cadeau, c'est la nature et tout ça. Bon, bon. Mais c'est pas un produit que je vais réacheter parce que c'est pas. Coucou, c'est moi-même. C'est pas de mes habitudes. Mais ça, pour le moment, bah, il est là, j'utilise. Parce que je suis comme ça, je ne suis pas très difficile en achat. Donc, tout vraiment, ça me convient. Je ne suis pas, comment dire, capricieuse, des choses comme ça. C'est pas, je ne suis pas quelqu'un influençable, je veux dire, par rapport à ce que je vois dans la pub. Moi, les pubs des produits à la télé, bah, en fait,
il va pas me donner envie d'acheter, mais bon, voilà, je sais pas si vous comprenez tout ça, mais bon, j'adore tous les produits. Bon, je serais milliardaire, je te dis pas, il me faudrait des maisons et des maisons parce que j'achèterais tout ça. Oui, je reste, bon, il y aurait plein de trucs, même fait, ça servait à quoi, parce que même maintenant, bah, on n'utilise pas tout. Maintenant, je suis en train de mettre tout dans un petit panier comme ça, tous les produits qu'on reçoit dans les boîtes à beauté, et je les mets ici dans la salle des bains. Et j'utilise tout de là parce que sinon, bah, s'ils ne sont pas à la vue, donc on ne les utilise pas. Et les produits, ça périme. Il ne faut pas croire. Moi, des rouges à lèvres que je reçois dans les boîtes à beauté, bah, les rouges à lèvres d'ici, il y en a deux là, bah, ils sont moissis. Hein. Je ne sais pas pourquoi, mais les youtubeuses qui sont des tonnes et des tonnes et des tonnes, bah, en fait, je ne sais pas comment ils font. Il faut qu'ils disent sa méthode. Parce que moi, je les ai dans l'armoire, dans les petits présentoirs comme ça. Pareil qu'on voit les YouTube. Et j'ai deux rouges à lèvres qui sont, on va dire, tout blancs à l'extérieur. Là. Donc pour moi, c'est, bah, c'est moi aussi. Ça fait comme un petit givré. Ouais. Ouais, il est trop long maintenant la vidéo. Dis donc. Bon, je veux dire à bientôt. Hein, et merci pour m'avoir écouté. Et je veux dire à bientôt. C'est pas pourquoi je parle doucement. C'est parce qu'il fait nuit sans moi. C'est bizarre, non? On ne fait pas pareil des choses. Même si vous êtes tout seul, on ne parle pas pareil. On dirait qu'on dérange. Dans la nuit, il faut chuchoter. On voit moi, j'ai la fenêtre de la salle des bains ici. Et bah, on voit qu'il fait noir, quoi. Et donc, ça te donne la sensation de que tout le monde dort et qu'il ne faut pas faire de bruit et que c'est l'heure de dormir. Que moi, c'est au contraire, la nuit, je n'ai pas envie du tout de dormir. C'est pour ça que je me lève tard, parce que eh ben, je suis un petit peu insomniaque. Bon, après, là, j'ai en train de me voir tout mon acné. Donc, moi, comme pour l'acné, j'utilise la roche c'est posée des FA Clair. Et donc, qu'est-ce que je fais? Bah, je mets et je les pose là. Voilà. Parce que vraiment, il y a des jours comme ça. Il y en a des fois que tu n'en as pas et des fois que tu en as plein. Mais comme je dis, maintenant, j'ai moins d'importance que quand j'avais 16, même jusqu'à quel âge là, j'avais beaucoup d'importance. Jusqu'à mes 28 ans, c'était horrible. J'arrivais pas à sortir dehors. Ah non, quand j'avais des poussées d'acné, comme ça, c'est quand ça m'arrivait. Parce que ça dure plus de temps que... Bon, en fait, c'est ça, hein. Attends, on a plus de temps avec des boutons que de temps sans boutons, quoi. Et moi, ça m'embêtait, quoi. Donc, voilà. Je mets comme ça, parce qu'il y a des gros... Pourtant, et après je me rince les mains parce que sinon après bah, ça blanchit. Il y a un produit dedans qui même quand vous mettez au lit, il boudra, c'est des couleurs, bah, il retire la couleur. Je voulais vous dire, hein, bah, il ne faut pas négliger aussi les lèvres. Donc qu'est-ce qu'on a pour les lèvres? On a plein de trucs. Hein. Ouais, il faut aussi parce que dis donc, ça ride aussi les lèvres. Bah, vous pourrez mettre aussi le contour des yeux dans les lèvres, mais moi j'ai carrément des produits pour les lèvres, donc autant les utiliser. Alors, comment ils s'appellent? Ah, en parlant de ça, j'ai testé les Perfect Leg Skin Miracle que j'ai eu dans une boîte à beauté. Et donc, comme ici, c'était marqué qu'il camoufle les imperfections de les jambes, je croyais qu'il camouflait donc, les petits vaisseaux sanguins. Vous voyez, les femmes, qu'est-ce que je voulais dire? C'est des petits vaisseaux, c'est pas des varices parce qu'elles sont pas grosses, c'est les petits vaisseaux qui éclatent. Je croyais qu'il... Donc, c'était pour ça. Et en fait, non, c'est comme une crème teintée, quoi, seulement qui pour les jambes, ou anti-bronze, comment dire, bronze. Qu'on bronze sans être bronzé, quoi.
Parce qu'après, il faut se laver les mains, on est orange. Donc, ça fait ça. Donc, mes jambes, la couleur. La couleur de couleur bronzée, quoi. Ah, bah, ça y est, j'ai trouvé, dis donc. Donc, c'est un lips perfect. Donc, je prends ça, d'ailleurs. C'est de la marque Alpha H. Donc, il va falloir dépenser, hein, parce que. Il a du menthol, celui-là. Il beurre de karité, effectivement. Et le menthol, c'est pour repulper. Et seulement que comme j'aime pour amener, ça me plaît pas trop celui-là parce que sinon le matin j'ai des petits boutons autour parce qu'elle beurre de karité. On va dire que ma peau il assimile pas trop, il vaut pas. Bon, là oui je vous laisse vous tranquille parce que là ça fait 31 minutes déjà. Bisous, bisous. À bientôt.